Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 22e journal de développement de Crusader Kings 3 avec pour titre aujourd'hui une tapisserie médiévale. Donc, alors qu'est-ce qu'on va parler? On va parler du fait que Crusader Kings 3 est là pour faire une histoire avec nos personnages et on va voir aussi des règles de partie qui vont vous permettre de faire votre histoire comme vous le souhaitez. Donc Crusader Kings 3, voilà, on aura plein de cultures, plein de religions, foi, titres, personnages. Et Paradox veut qu'il y ait assez de détails historiques médiévaux pour qu'on arrive à s'immerger dans l'histoire et à explorer les possibilités de ce monde médiéval tout en ayant des éléments dynamiques pour accompagner tout ça. Donc par exemple, toutes les religions seront jouables, vous permettant de jouer absolument tous les styles de jeu que Crusader Kings 3 offrira. Donc pour aider un peu, parce que de temps en temps on se retrouvera un peu bloqué en quelque sorte, ils ont mis en place, comme dans Crusader Kings 2, après certains patchs, Hearts of Iron 4 aussi, ils ont mis des règles de jeu qui vont vous permettre de changer certaines règles, comme par exemple le fait de jouer plutôt des reines que des rois. Donc, pour commencer, donc ils ont mis une option sur le genre, le sexe principal. Donc, généralement, le sexe principal sera contrôlé par la foi. Donc, en fait, ça va être votre religion qui va déterminer si votre société est dominée par les hommes, si elle est dominée par les femmes, ou s'il y a égalité. Mais il est possible, avec les règles, de changer tout ça. Alors, tout d'abord, d'une manière historique, les plus hauts titres, ceux de roi et d'empereur, étaient détenus par des hommes. Mais ils ont voulu quand même faire en sorte que les femmes de ces hommes importants aient un impact durant la partie. C'est pour ça que l'épouse aura un poste au conseil automatiquement. Et donc, ses compétences vont avoir un impact sur le royaume, et il y aura des événements liés à ce travail. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que par exemple, elle va négocier avec les factions dans votre pays, elle va recruter des troupes pour vous aider. Donc c'est l'exemple qu'ils proposent, où ils ont fourni une image. Donc votre épouse veut vous montrer un grand cadeau, et en l'occurrence, elle vous apporte des soldats supplémentaires. Donc à vous de choisir ce que vous voulez faire avec ça. Et donc, cette règle sur le genre va vous permettre de changer qui c'est qui gouverne principalement. D'une manière générale, en fait, vous allez complètement changer les règles. Donc, soit vous avez le style classique avec les hommes qui dominent, soit vous pouvez demander à ce que ce soit en miroir. C'est-à-dire que les pays où c'est les hommes qui dominent maintenant seront dominés par des femmes, ceux où c'était des femmes qui dominent sera dominé par des hommes. Ils ont vraiment fait en sorte que la domination homme-femme soit en miroir, c'est-à-dire que si vous avez joué dans Crusader Kings 2 avec les modes matrilinéaires, où c'est la femme qui est le personnage principal et qui hérite, cela causait quelques difficultés. Typiquement, il y avait les hommes qui avaient plus de droits que les femmes, si c'est les hommes qui dirigent. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Là, c'est complètement en miroir, c'est-à-dire que ce que les hommes peuvent faire en hommes dominés, les femmes peuvent le faire en femmes dominants. Ce que les hommes peuvent faire, ce que les femmes peuvent faire en hommes dominants, les femmes, voilà, bref, c'est en miroir. On n'a plus de différence, on remplace juste homme par femme dans un type et l'autre. Et au milieu, on a le mode égal qui permettra en fait d'être complètement à égalité entre homme ou femme et de choisir pour notre royaume si on veut que ce soit les hommes en priorité, les femmes en priorité ou l'égalité totale. Et les deux autres permettent vraiment de faire homme seulement. Homme préférence ou femme seulement, femme préférence. Voilà. Donc ça, c'était l'option du genre qui va, bah, si vous avez vraiment envie de changer ça, vous pourrez vous faire plaisir dessus. Ensuite, on a la sexualité. Alors, c'est un peu une nouveauté en quelque sorte. Donc, la sexualité, c'est ce qui apporte du piment et qui va impacter
les comportements et les motivations des différents personnages et qui peut être des péchés, voire criminels dans certaines fois, selon les différentes sexualités. Et donc ça va rajouter un petit piment de drama et d'intrigue qui va tourner autour de ça. Donc qu'est-ce que c'est dans Crusader Kings 3, l'axe sexualité? Donc en fait, dans Crusader Kings 3, les personnages pourront avoir une des quatre sexualités qui est proposée dans le jeu. Ils se proposent hétérosexuel, homosexuel, mais aussi bisexuel et asexuel. Ça sera plus un trait comme dans Crusader Kings 2 qui mettait homosexuel en tant qu'un trait de personnage, mais ça va avoir son propre système et donc son propre affichage pour être bien clair pour le joueur quelle est l'affinité sexuelle de son personnage. Et ça va faire en sorte que hétérosexuel n'est plus la sexualité par défaut. Donc comment ça va se passer? Vers 10 ans, en fait, les enfants vont développer leur sexualité qui ne pourra plus changer. Donc à 10 ans, on aura un événement comme celui qui est affiché à l'écran qui va déterminer si l'enfant est hétérosexuel, homosexuel, bisexuel ou asexuel. Dans l'exemple qu'il propose, cet enfant visiblement devient bisexuel. Il n'est pas indiqué dans le journal de développement s'il y a des facteurs qui vont le rendre plutôt hétérosexuel, homosexuel, bisexuel ou asexuel. Peut-être que ce sera du aléatoire complet. Visiblement, il y aura un système de préférence. On va en venir un peu après, mais je ne sais pas si le personnage en lui-même va changer quoi que ce soit. Alors, pour ceux qui se posent des questions, il n'y aura pas de différence entre sexualité et attraction romantique. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la sexualité, c'est avec qui vous avez envie de coucher. L'attraction romantique, c'est avec qui vous voulez être et que vous sentez vraiment des liens forts avec cette personne. Donc vous pouvez être asexuel et avoir des attractions romantiques. Dans Crusader Kings 3, ils ne font pas cette différence. Donc en fait, vous serez de la sexualité de votre personnage et ce sera tout. Vous n'aurez pas, par exemple, un personnage hétérosexuel qui a une affinité romantique avec ceux du même sexe. Voilà, ça n'existera pas. Par contre, il y aura une différence entre la préférence et le comportement sexuel. La préférence, donc la sexualité du personnage, ne pourra pas être criminelle. C'est pas parce que vous êtes homosexuel qu'on pourra vous mettre en prison. Si la foi interdit ces relations. Par contre, si la foi n'autorise pas ces relations entre personnes du même sexe et que votre personnage fait l'amour avec un personnage du même sexe, dans ce cas-là, vous serez, si c'est le cas des hommes, vous aurez un secret de sodomite qui, s'il est découvert, pourrait vous causer du tort à cause de votre religion. L'intelligence artificielle, elle ne tentera pas de séduire une personne du sexe qui ne leur convient pas. Donc un hétérosexuel ne va pas essayer de séduire quelqu'un du même sexe que lui. Un homosexuel va que essayer de séduire une personne du même sexe que lui. Et un bisexuel va essayer de séduire tout le monde si c'est son envie du moment. Par contre, le joueur pourra séduire qui il veut. Donc même si vous êtes hétérosexuel, vous pouvez tenter de séduire quelqu'un du même sexe que vous. Mais dans ce cas-là, il faut faire attention, vous aurez un malus tout d'abord à la séduction parce que c'est pas votre type. Et ensuite, en fonction de la religion, séduire quelqu'un du même sexe que vous risque de vous conduire à devenir sodomite, même si vous êtes hétérosexuel, par exemple. Donc il faut faire attention à ça, c'est pour ça qu'ils ont bien séparé la préférence du comportement et de ce que vous faites vraiment durant la partie. Voilà. Ensuite, il y aura du coup là-dessus une règle de jeu qui s'appelle vision des relations du même sexe. Donc elle peut être à défaut, donc ça dépendra de la foi, ou alors par accepté, ce qui rend les relations du même sexe normales pour toutes les religions. Du coup, la religion catholique qui très certainement ne voit pas du bon œil les relations du même sexe, en mettant cette règle de jeu à accepter ferait que la religion catholique accepte les relations homosexuelles. J'imagine que ça doit être pareil pour toutes les religions. Donc si vous avez envie de faire des parties de ce style, vous pouvez, libre à vous.
Pour la sexualité, il y a aussi une règle. Donc la règle par défaut va faire que les hétérosexuels sont la majorité des sexualités du jeu, mais vous pouvez aussi demander à ce qu'elles soient égales. Donc chacune des quatre sexualités possibles sera de manière égale. Donc en gros, vous aurez une chance sur quatre d'obtenir chaque sexualité. Ou alors, vous pouvez demander à ce que les sexualités spécifiques soient les principales. Donc par exemple, demander à ce qu'une majorité soit homosexuelle, ou une majorité soit bisexuelle, voire une majorité asexuelle. Je me demande comment ça marchera au niveau des mariages et au niveau du nombre d'enfants en fonction des choix. Mais ça, c'est une autre question que je ne peux pas répondre et que le journal de développement ne répond pas. Ensuite, nous avons les foies. Donc, comme vous le savez, les foies ont eu beaucoup d'attention dans Crusader Kings 3, avec la possibilité de faire ses foies personnelles, personnalisées plutôt, la possibilité de faire plusieurs variations autour de la même grosse religion principale. Et donc, pour cela, ils ont fait une distinction dans les foies africaines et dans les foies indiennes. Donc, en Afrique, il y aura visiblement 5 fois dedans. Alors, j'ai les noms en anglais, c'est Rogue, Bori, Singuisme, Akom et Vagisme, quelque chose comme ça, et ainsi que Cushitisme. Voilà, je ne connais pas les religions, donc ça sera difficile pour moi d'expliquer chacune, mais donc chacune aura ses principes qui seront différents et qui auront du coup un style de jeu différent grâce à cela. Ils ont donné comme exemple le Bori, qui est une religion plutôt matriarcale, donc les femmes auront le pouvoir là-dedans et qui a un culte des esprits. Et du coup, parce que dans cette religion, les esprits peuvent prendre le corps des différentes personnes et que cet esprit peut être homme ou femme, cette fois-là, accepte les relations des personnes du même sexe. Par contre, par exemple, ils donnent les Singuik, qui eux portent un culte aux ancêtres et qui considèrent les jumeaux comme étant des êtres bénis par les dieux. Assez sympathique, après à voir qu'est-ce que ça donne. Ils ont fourni quelques nouvelles informations sur des principes de religion, avec l'adorcisme qui permet de demander de l'aide aux esprits et faire que le fait d'être possédé devient une vertu pour cette religion, donnant donc des bonus d'opinion et de piété. On a le Bhakti qui permet aux dirigeants de sélectionner un avatar à vénérer pour avoir des bonus liés à cet avatar. On a donc le culte des anciens qui permet d'avoir plus de prestige en fonction du niveau de splendeur pour chaque nouveau-né, ainsi que quand on devient marié, qui permet aussi d'augmenter le bonus de règne long, ou du moins son maximum sera plus élevé avec ce culte des ancêtres. Et ceux qui ont cette foi pourront partir en pèlerinage et obtiendront des bonus quand ils finissent leur pèlerinage. Voilà, et le quatrième qu'on avait déjà vu, c'était le pacifisme dharmique. Qui augmente la résistance de conversion à la religion, qui augmente les opinions avec les pacifistes, et ainsi de suite. On l'a vu déjà durant le journal de développement sur les religions. De son côté, ensuite, on aura l'hindouisme qui sera partagé entre 7 fois. Il y aura les quatre courants principaux connus, le vishnouisme, le shivaïsme, le shakitisme et le smartisme. Donc ça, c'est les quatre principaux. Alors encore une fois, je ne connais pas les différences entre chacun, mais aussi des moins connus comme le krishnaïsme et l'advaitisme. J'imagine à quelques prononciations près. Le bouddhisme, lui, aura 5 fois. Le jaïnisme, 3. Ce qui donne une magnifique carte de l'Inde avec beaucoup de foi différentes. Ce qui risque d'être intéressant d'un point de vue tension religieuse à gauche à droite. Comme vous le saviez, dans Crusader Kings 2, l'Inde était séparée entre 2 fois, 3 fois éventuellement. Là, avec ces donc 7 fois de l'hindouisme, 3 fois du jainisme et 5 fois du bouddhisme,
On aura le choix, on aura des tensions, ça sera très intéressant. On a aussi les religions dualistes, donc le manichéisme, le mandéanisme et le sabianisme, qui seront séparés. Il y aura encore quatre autres fois parmi cette groupe de religions, ce qui apportera encore un peu plus de styles différents et de principes différents dans ces religions. Ensuite, on aura une magnifique règle sur l'acceptation de la foi. Donc en fait, c'est une règle qui va déterminer à quel point les règles des tensions entre les religions existent. Donc on a le truc par défaut qui crée toutes les tensions entre les religions telles qu'on les connaît. Et on peut aussi demander à ce qu'il n'y ait que peu de tensions entre les religions, ce qui fait qu'en fait toutes les guerres saintes et tout ça ne pourront plus être faites. Je trouve cette règle-là un tout petit peu dommage, mais bon, si des personnes veulent éviter les tensions entre les religions, ils pourront l'utiliser. Ensuite, autre règle très intéressante à mon goût pour faire des parties, refaire des parties qui ne se ressemblent pas, la possibilité de mettre des fois aléatoires dans le monde. Alors bien évidemment, le gros souci, c'est que ça va vraiment faire des fois aléatoires dans le monde. Et il y en a tellement que ça va être un bordel sans nom. Donc dans l'image qu'ils ont fournie, on voit qu'il y a des fois mais de tous les sens qui sont en Angleterre. Donc si vous voulez un monde bordélique avec des guerres saintes dans tous les sens, vous aurez une règle de foi aléatoire qui va vous permettre de faire tout cela. Ce qui risque d'être assez militaire en fonction des fois qui se trouvent autour de vous. Et pour finir, dans cette grande tapisserie médiévale, une petite information sympathique au niveau du style. Donc quand vous allez avoir des personnages de religions, de cultures différentes, vous allez avoir des tenues, des environnements qui vont dépendre et varier en fonction de ceci. Donc par exemple, dans l'image qu'ils ont fournie, nous avons quelqu'un d'hindouisme en haut à gauche, donc on voit un style un peu indien. On a de l'orthodoxe en haut à droite avec un style un peu plus, on va dire, russe, tribal, j'ai envie de dire, vu le style. On a un chrétien en bas à gauche avec un style plus classique européen de l'Ouest et un style un peu plus islamiste. Islamique plutôt, en bas à droite, avec donc une personne de religion musulmane. Donc ça va donner un peu plus de style parce que donc dans Crusader Kings 2 on avait juste des images génériques. Là on aura plutôt des images qui seront dirigées par la culture et par le personnage principal de l'événement, ce qui va du coup changer le style. Qui va avec et qui va rendre cela un peu plus vivant et un peu différent, ne pas toujours avoir le même chose à voir. Ce qui est sympathique, après, ça ne fera pas le jeu en lui-même. Voilà, donc c'est la fin de ce journal de développement un peu chaotique parce qu'ils sont un peu passés dans tous les sens et dans tous les sujets différents, mais assez sympathique à savoir, surtout le système de sexualité des personnages, qui me semble assez intéressant et permettra de faire un monde assez vaste, surtout dans les modes qui pourront donc s'amuser à avoir plusieurs styles de sexualité dans le jeu. Et donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à la semaine prochaine pour le prochain journal de développement. Bye bye!